Voici d'abord un rythme simple dans lequel il n'y a pas de syncope. Écoutons-le. Si maintenant je reprends mon premier rythme et que je lis les deux notes du milieu, la deuxième sera prolongée sur le troisième temps. La note est jouée sur le deuxième temps faible et prolongée sur le troisième temps fort, c'est ça une syncope. Écrivons maintenant un autre rythme simple avec deux notes par pulsation, appelées des croches. Si maintenant je lis la deuxième croche de chaque groupe qui correspond à la partie faible du temps, à la première croche du groupe suivant qui correspond à la partie forte du temps, la syncope est cet effet de décalage rythmique que l'on entend par rapport à la pulsation. Si maintenant je lis la deuxième croche de chaque groupe qui correspond à la partie faible du temps, à la première croche du groupe suivant qui correspond à la partie forte du temps, la syncope est cet effet de décalage rythmique que l'on entend par rapport à la pulsation. Écoutons des syncopes dans la chanson Supermassive Black Hole de Muse. On récapitule. Une syncope est une note jouée sur un temps faible et prolongée sur un temps fort. Ou bien, une note jouée sur la partie faible du temps et prolongée sur la partie forte du temps. Il en résulte une sensation de décalage des appuis rythmiques.